What is mathematics? Mental acrobatics, magic from your mind. Math is a part of everyday life, just add subtract. Don't you know? You use math for all things and you will know if you have gone far. Here's something else, everything. Just do the numbers in your head. Mathematics, mathematics, you understand now, right? Mathematics, en exclusivité sur Scoop TV Afrique, les séances intensives des travaux dirigés. Impossible de rêver mieux. Scoop TV Afrique 1500, polarisation. Chers membres de la communauté éducative, bonjour. Moi, c'est Manga Denis. Je suis là pour la classe de seconde sciences humaines, La Roche. Utilisez cette ressource, identifiez les roches dans son environnement. Qu'est-ce qu'une roche? Qui forme l'écorce terrestre? D'autre part, la couleur, par la texture, le mode de formation. On peut classifier les roches à partir magmatique, les quelques confusions qui se glissent dans l'esprit, classifier les roches à partir du mode de forge plutonique, les roches volcaniques, les roches plutoniques sont aussi appelées qualificatifs. Nous allons est-ce qu'elles proviennent du magma, parce que ce magma en la surface de celle-ci. Cependant, elles n'y arrivent, on les appelle roches éruptives. Elles sont dites solides à profondeur sans atteindre la surface de la Terre. Comment se forme de la cristallisation et de la construction d'ailleurs très discrètement, voisinant parfois 300 degrés Celsius. Aussi tout simplement parce que corps fondu de manière ignée et lorsqu'il a des éléments étrangers, blanc, vert ou rose, représentant le quoi sont le feldspath. Les autres minéraux foncés représentant. Nous allons maintenant vous présenter quelques exemples. L'apprenant, une variété de roches plutoniques, mais les plus répandues sont les plus sur la croûte continentale. À dehors des granites et fabrication de la porcelaine, de plutonique. Nous savons où, comment elle se forme à partir du pluton à la cristallisation d'échantillons de roches. Nous passons au deuxième groupe de roches, les roches sont éruptives externes. Le magma monte à la surface de la Terre et elles sont dites directement à la surface cristaux. La présence de nombreuses vacuoles et l'absence qui présentent des cliniques. Il faut déjà dire que sans volcan, il n'y a pas. Lors d'une éruption, il ne faut pas le couper l'orifice. Mais au départ, il n'y a pas vraiment rapide et brusque. Le magma est tellement rapide que de temps. C'est pour cette raison qu'on les des roches volcaniques les plus obtenues, des roches variées. Un exemple, un échantillon de basalte. Roches volcaniques et l'obsidienne, et nous sont utilisées pour la toilette avec la pierre ponce par exemple, pour l'obsidienne. Également en médecine, notamment en homéopathie volcanique, du magma au contact de l'air ou de l'eau. Dans la surface de la Terre, tout simplement, le métamorphisme minéralogique et textural. Le processus de transformation se passe à la schistosité et il y a la... revenir là sur... S'il y a là-dessus, mais déjà, il ne faut pas... Les roches, mes roches subissent des transformations, c'est de ces blocs, n'est-ce pas, des lits qui seront présentés. On l'appelle aussi métamorphisme des feuilles de manioc que nous mettons dans un mortier. La structure de départ, elles sont moulées des feuilles de manioc sans pour autant être dans le mortier. C'est l'image avec le problème de la banane et à la fin nous avons une zone où il se développe aussi hors de l'atmosphère terrestre
des roches d'autres systèmes. Dans les zones, la métamorphose monte vers la surface de la Terre le long de son température énorme venant du passage de ce métamorphisme issu de l'enfouissement à un endroit bien précis. Ceux d'en bas subissent des transformations. C'est pour ça la température qui est à la base et ensuite la transformation. Le dynamo métamorphisme est de la Terre. Donc de la géodynamique, pousser des éléments qui traversent tout en provoquant. C'est si l'on prend, par exemple, créer un trou, mais c'est ça le dynamo. Les roches métamorphiques. Les roches métamorphiques, les gneiss, 4 échantillons de gneiss. Nous avons les cornéennes, foliation. Nous avons les caches dans la zone de Maton, à l'entrée de la ville de Sa, dans la Léké, on trouve les caches, nous venons de le dire, sont... Nous passons maintenant de la dégradation des roches préexistantes, croûtes terrestres. Commençons de la roche ou des organismes vivants, qui sont les agents actifs, les plus actifs, que sont, surtout que part, on parle de la sédimentation et... les sédiments en roches sédimentaires. La même chose. Elles désignent donc, se sont transformées en roches sédimentaires. Le dépôt des sédiments, c'est-à-dire que ces sédiments sont compactés. La cimentation solide se cimente les uns collés aux autres. La dissolution. Et à un moment donné, on ne peut plus donner naissance à un des types de roches sédimentaires. Les roches, trois grands groupes, l'altération ou brèche, les grès, les argiles, les margiles, une paroi d'argile, les régions plus ou moins. La roche, la meilleure roche. Nous avons ensuite des substances dissoutes dans l'eau, les plus répandues. La dolomie, voilà, les roches les plus répandues, organiques. Elles sont formées par les êtres vivants, c'est-à-dire les carbures, les charbons. Nous avons là un échantillon de charbon comme roche d'origine alimentaire qui prend les éléments biochimiques. C'est pour ça que vous voyez l'échantillon de roche d'origine chimique. Nous avons imaginé dès le départ. Nous avons parlé des roches métamorphiques, nous avons par rapport aux autres. C'est ce primitif, magma en fusion. Et ce magma de la Terre, c'est ce qu'on appelle le magma, malheureusement, sur de la Terre, et donc ce qu'on a appelé la face de la Terre par les mêmes moyens, brusquement. Et les roches volcaniques, érosion sédimentaire, sont issues à la surface de la Terre, connaissent les éléments arrachés à ces roches. Les dépôts se transforment en roches, surtout la tectonique cassante. La notion de tectonique, plutôt l'enfouissement et la tectonique, à partir du phénomène, dès qu'elles apparaissent à la surface, elles finissent aussi par donner naissance. Les groupes de roches de ce travail pratique. On dira tout simplement que les de la roche, nous pouvons des autres planètes, toutes les roches de la Terre, du School TV. Afrique. Mécanique, nous allons à ici. Non? Et décrit tout là, à cause des prescriptions légales anti-pollution, une souplesse d'utilisation dans l'atmosphère et dans l'environnement se trouve en tête de classement. Puisque nous parlons de la colonne des gaz U, NOI, l'oxygène, le O et l'azote, à l'intermédiaire des gaz d'échappement, équipés de l'ensemble de ces éléments, vous allez constater que ici, en place, le câble de l'injecteur est dans la collecteur d'admission, l'essence. Qu'il s'agit d'air plus essence, prendre les avantages, l'intérêt. Un dosage très précis. La sustation du système permet également de limiter
Notons que des systèmes, il s'agit sur l'ingestion L-gétroni et D-gétroni. Partie de la dans la position, dans la chambre de combustion, nous pouvons les injecteurs dans l'ensemble de tous les membres continue ou discontinue de reprendre l'action d'injection. Notons que on note une deux systèmes d'alimentation par cas. Chaque cylindre du moteur à injection essence, l'injection débit régime mécanique et poursuivons avec le système d'injection électronique, encore appelé cal. Pour déterminer l'information, le cœur de pression qui lui est fourni par l'élimination de la masse d'air dans le collecteur d'admission, pression, réinjection à essence, déjetons grand, 5, 8, canister régime moteur, la vanne de régulation de ralentissement, 17, 20, la rampe d'injection, le module électronique de commande, ainsi que le calculateur qui est directeur du calculateur. Sortant du calculateur, chers apprenants, dites électro. Les capteurs, pour pouvoir informer au calculateur provenant des capteurs, le capteur de pression d'allumage, des informations provenant de la pompe, l'électrovent, encore appelé, sont les principaux éléments, est reparti en trois colonnes dans le circuit d'alimentation. Le capteur de pression, autre capteur, le capteur de démarrage, au calculateur, l'action, et permet de savoir si le moteur est d'informer sur l'état de charge du moteur, c'est-à-dire à oxygène. Le détecteur de crise éventuelle d'un phénomène de vibration. Le mettons fin sur la première partie de notre notation à injection d'essence qui aura. School TV. Tout de suite. Africa. Aujourd'hui, en technologie mécanique, pour le cadre de la première leçon, aujourd'hui, nous allons commencer. Ils sont généralement analogies, actionneurs. Comme actionneur, la pompe dans le D-gétronique que nous venons, elle peut être appelée aux injecteurs d'admission pour des systèmes indirects ou dans la régulation de ralenti. L'énergie électrique nécessaire au bout. En cas de panne, dans en fonction du temps d'ouverture, sont des informations fournies par les différences du niveau de charge cartographique qui tient la température d'eau, l'âge du véhicule, la tension de la batterie, les injecteurs pour un éventuel fonctionnement. Le système cagétonique et du doseur distributeur soulève le plateau sonde simultanément. La force de commande hydraulique cylindre dans d'un doseur distributeur de carburant. Le doseur, le réservoir à carburant, moteur électrique, elle refoule et maintient le démarrage à chaud du moteur par des injecteurs. Injecte de permanence dès le démarrage. La vis électrique, l'allumeur, ouvre le départ à froid. Il permet d'injecter, fournit un supplémentaire d'air au moteur. L'injecteur de départ à froid, puis la pression à moment de fonctionnement, mesurer la quantité d'air aspiré. Position un point donné dans le doseur. La batterie présente un circuit d'alimentation. Dans la répartition, circuit de correction, à partir de 7 bars, la pression du à cellulaire comportant des encoches ainsi et refoule à l'écran. Donc, nous avons récapitulé l'élément de ce système correspond au circuit de carburant permettant d'environ 3 bars soit maintenu H qui se situe dans l'alimentation. Le filtre à carburant est le seuil de filtration est de 8 à 10 litres et des particules. Un peu de distribution garantissant une pression uniforme par la pression régnant dans le collecteur d'admission, d'éviter les tubulures alimentées par une rampe d'injection et sous-injectées en bidet d'alimentation. Et ce, afin de vibration du volet provoqué avec vis de ralenti. Est fermé. Contourne le papillon des gaz. Le régime de ralenti sans faire varier selon les papillons, l'action à 1100 tours par minute. Sur la position du pape, la vis de réglage autorise plus de prise électrique et comme à l'injecteur de départ lorsqu'il est froid, lorsque le thermocontact ferme et ouvre le circuit de l'injecteur de départ. Tiroir d'air additionnel, température du moteur enfin
de s'assurer de monter en dérivation sur le papillon des gaz, le capteur sondeur, de température moteur, carburant, une loupe de refroidissement qui suit la mise de détection lorsque le système par alimentation. Nous sommes arrivés que chacun de vous, cette fois-ci. School TV Africa. Tours of preparation of exams and the prams. Use frequency 12 horizontal and the bouquet SIT EMO. Où la COVID-19, ça devient difficile, tel qu'Internet et WhatsApp, sauvez et rassurez-vous toujours vers You gotta know what to do, you gotta think, asking yourself Do we trust them? Why did... Sujet de la COVID-19, l'OMS sont abordés et notre ministère en 20 secondes et essayez
les élèves de la classe de terminale MVT. Il existait deux catégories. Nous avons dit que le projectionneur, nous avons dit que l'actionneur engendre. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous avons la vitesse linéaire, nous avons la d'accélération. Pour commencer avec les caractères de la 1 mobile et gré, 9,81 mètres par seconde, et est subdivisé en deux lits vite, rapide et de suivi qui permet de lire la vitesse qui commence de zéro. Nous avons le radar detection en ring ou la vitesse d'un objet. Nous avons le radar laser et revenir bien, l'appareil en déduire les comptes temps. Les capteurs peuvent être mécaniques de temps, c'est-à-dire généralement de 0 à 8, angulaire. Le tachymètre compte tout. Ce tachymètre fonctionne. Autre capteur angulaire, nous avons les que par leur forme. Ils sont les fours, comme dans les plastiques, dans les installations de chauffage hublot, au rayon infrarouge. Au rayon infrarouge. Nous avons les corporels qui fonctionnent avec un température. Tant qu'il y a du moteur. Attention, dans un circuit, le schéma à l'écran est celui. Nous avons les balances, la jauge de contrôle. Nous avons le présostat. Attention, en tout ou rien. Nous avons également le schéma à l'écran est celui des différentes de la pression. Schéma. Le premier schéma est un résistif. Un capteur également. Le manomètre fonctionne par défaut. Il permet d'amplifier le mouvement qui résulte est celui d'un manomètre dont nous montre les différents instruments de mesure. Il peut servir d'altimètre. Le principe de la pression par un système mécanique ou électronique. De l'autre côté, le compteur général électrique, après amplification visuelle, peut être ou sonore. Comme capteur de vibration, pour metteur, nous avons tel que l'industrie chimique, la catégorie résistance, comme c'est vrai, comme du moteur, la lumière sont des symptômes que nous avons cités. Une des masses d'alimentation, nous avons également du plomb. La suivante, une première erreur, ou corps de sonde bouché par des résidus dans le système d'échappement. Une erreur de diagnostic, sonde, dommage dû à cause d'un. Comme cause, nous avons interrompu. Comme cause, nous avons cas de mise à la masse. Erreur de diagnostic trop élevé. Huitième erreur, quand. Dernière cause de carburant contenant du plomb. Nous allons poursuivre avec le diagnostic. Ils peuvent détecter les erreurs qui sont en règle générale indiquées par le voyant mouillé avec un outil de diagnostic. L'effectueux ou, par exemple, d'un câble défectueux. OBD, la surveillance des sondes opérationnelles, coût-circuit absent de lambda. Pour diagnostiquer, le détecter, la durée entre le flanc et la limite. Maintenant, nous allons passer au contrôle, un testeur de sondes lambda. Avant chaque contrôle, il est important d'effectuer. Le système d'échappement ne doit pas présenter de fuite. Il convient également de noter que la régulation lambda, jusqu'à ce que la température de service soit atteinte. Le schéma à l'écran est celui d'un contrôle, car des appareils analogiques. Le signal d'action, un appareil analogique est le mieux adapté pour, c'est-à-dire le câble noir. Observez le schéma électrique. La plage de mesure du multimètre est réglée. Cheur indique une que la température de service du moteur 1 et 0,9 être maintenue à un régime d'environnement. Même s'il s'agit d'un système sans chauffage, sonde lambda, non chauffage. Contrôle. Nous avons le contrôle de la sonde lambda avec testeur, des testeurs de sonde lambda. Les LED qui sont des lampes au câble du signal à s'allumer en alternance à 0,9 volts. Pour la mesure de la tension se réfère à des sondes de dioxyde
de titre. La tension mesurée alterne les vitesses. Le capteur de formation, entre autres, pour casuel. Le principe de fonctionnement et les possibilités. Premier type, les capteurs de bois de vitesse défectueux de fonctionnement à cause de ces défauts de court-circuit de câble, endommagement mécanique. Avant de contrôler, il y a des contrôles préliminaires à faire de vitesse.